Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo avec aujourd'hui réception de plusieurs réceptions différentes en fait de plusieurs personnes, achats ou échanges tout simplement hein, que je fais régulièrement. Et donc aujourd'hui c'est un peu de vrac on va dire. Il y a un peu de baseball, de boxe et surtout du basket, pas mal de rétro, donc un peu de tout à vous montrer aujourd'hui. Donc on va regarder ça ensemble. On va commencer tout de suite par le baseball avec une belle carte que j'ai gagnée pour un concours pour le livre de Gaëtan. Voilà, le livre qui s'appelle Une histoire populaire du baseball. Carte fabriquée par Matt Custom Card. Que voici, donc très belle carte. Je suis bien content d'avoir gagné. Et donc, voilà, ça c'est un gain de concours. Ensuite, un cadeau. Un cadeau avec une de mes cartes. Donc, on m'a fait signer en personne à Eli Okobo avec une de mes cartes. Voilà. Très belle signature. Je remercie donc la personne qui me l'a offerte et je remercie également Eli Okobo pour sa signature, voilà, qui est très propre en plus, très belle. Donc, parfait pour la collection. On continue avec une carte de boxe. Donc là, c'est du TTM. Donc carte que j'ai envoyée au boxeur qui me l'a renvoyé signé. Donc je remercie également Christ et Zabé. Voilà une carte de chez X-Kiss que je vous invite à aller voir donc sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ses collections, différentes collections. Des collections dont je profite pour faire signer à l'occasion. On continue avec tout un petit lot de cartes de Jordan. Voilà, donc on est sur des stickers en fait hein, de la collection Jordan. J'essaie d'avoir J'essaie de récupérer quelques Jordan à droite à gauche quand je peux, voilà, pour en avoir quelques-unes. C'est vrai que j'en avais pas de Michael Jordan, ça reste quand même une idole d'enfance, hein, de tout le monde, hein, en tout cas de beaucoup d'entre nous. Donc j'essaie d'en récupérer quelques-unes. Donc là ce sont des stickers, j'ai récupéré quelques petites cartes aussi en Jordan. Voilà, alors ce ne sera pas des grosses cartes parce que c'est pas ma collection principale, mais voilà, c'est pour le plaisir d'en avoir quelques-unes. Donc si vous en avez dont vous ne savez pas quoi en faire, des toutes simples, ça peut m'intéresser, donc n'hésitez pas à me les proposer. Ensuite, avant de vous montrer donc tout un lot de cartes rétro, j'ai en profité pour vous montrer tout de suite quelques cartes gradées que j'ai récupérées également. Une Luka Doncic. Un prisme que voici, une autre Doncic également, toujours en prisme, non pas en prisme, pardon, en Donruss celle-ci, mais elle a un petit côté brillant parce que c'est une optique. Et la dernière, carte gradée classée 10, une carte rookie d'Allen Iverson, donc en NBA Hoops. Voilà, pour compléter un petit peu mes petites collections de cartes gradées, j'en ai quelques-unes dont j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Allons voir maintenant un peu toutes ces cartes rétro qui viennent compléter un petit peu les petits plaisirs que je me fais de temps en temps. D'achat de petites cartes comme ça sur des joueurs que j'apprécie particulièrement, donc comme John Stockton, joueur que j'ai beaucoup aimé, Robert Parrish par exemple, très bon pivot de l'époque des la belle époque des Celtics, une Clippers avec Ron Harper, Karl Malone, Stadium Club. Du Glenn Rice, joueur que j'ai particulièrement aimé aussi
dans les années 90. Robert Parrish en FLIR Ultra 92-93. Glenn Rice dans la même collection. J'ai également du Keith Robinson pour Portland. NBA Oops. Une petite Clippers Tom Garrick. J'ai encore du Clifford Robinson en Skybox cette fois. Très drôle hein, celle-ci, on voit une carte en fond et puis le reste de la carte, c'est assez sympa. Une petite Mitch Richmond dans FLIR 95-96 sous le maillot All-Star. All-Star Weekend de Phoenix. Une petite Vin Baker Electrified en Skybox. On a également une carte sur l'équipe des Clippers. Game Frame. Une carte All-Star de Robert Parrish. James Edwards. Donc en Skybox pour les Clippers. Une petite rookie. Donc de Jason Preston des Clippers. NBA Oops. On est sur la dernière collection. Pareil pour Eric Bledsoe. NBA Oops. Marcus Morris Senior. Ça c'est pour la collection Clippers. Une Glenn Rice. Encore sous le maillot du Heat. Donc on va être en début de carrière. Ouais, c'est sa quatrième année. Vin Baker. Joueur que j'ai adoré à l'époque Bucks. Avec son duo avec Glenn Robinson. Ensuite, on a Muggsy Bogues. Donc pour les Hornets. Yao Ming. Pour les Rockets. Une petite mosaïque de Moses Malone. Fantastique joueur également, un peu brut. Mais tellement performant. John Stockton. Donc là on est sur... Je sais plus c'est quelle collection, celle-ci. C'est du Skybox, ouais. J'allais dire Skybox, j'étais pas sûr, mais c'est bien du Skybox. Patrick Ewing. Sur du Collector's Choice du Upper Deck, carte qu'on a tous bien connue étant jeune, comme celle-ci d'ailleurs aussi, Hardaway. Ça c'est plus pour le côté Madden de Proust, hein, ces cartes, comme la Chris Webber, pareil. Clyde Drexler, ce maillot de Portland, une autre Clippers avec Ron Harper. Glenn Rice en carte rookie. Charles Smith. Un petit entraîneur avec Mike Schuller en Skybox. Voilà, deux années différentes. James Worthy des Lakers. Joueur très souvent oublié, mais joueur tellement fantastique. Larry Johnson pour les Hornets en Toups. Toujours chez Toups, une autre Clifford Robinson pour les Blazers. On a Dennis Rodman sous le maillot des Spurs, carte un petit peu abîmée celle-ci. Encore Rodman sous le maillot des Spurs. Une petite Sprewell. Classique Upper Deck qu'on a tous eu à mon avis dans nos collections étant jeunes.
Gain Rice, toujours sous maillot du Heat. Et une autre Gain Rice sous le maillot des Hornets. Et la petite dernière, une très belle Vin Baker, Fleer Ultra, 95-96. Ouais, les amis, pour cette petite vidéo réception donc de cartes diverses et variées. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux et à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le catalogue est bien fourni, profitez-en. Faites-vous plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures, de nouvelles réceptions et de nouvelles aventures. Salut, salut !